toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de USC Counter Force, pardon, je fatigue un peu. J'espère que ça va. On est prêt à continuer notre aventure. On va faire une petite session passage de relais ici. Hop, voilà. Toi tu vas ouvrir la porte Aminou. Et donc il faudrait que ce soit Ibomedic qui balance une petite cryogrenade, mais je pense que c'est trop loin là. Ouais, il faudrait qu'elle la jette au moins là-dedans. Donc on va se pousser avec les gens. Voilà, comme ça tu avances. Tu nous balances ça là-dedans. Voilà, donc la cryogrenade neutralise les flammes et si jamais vous n'avez pas enflammé, bah elle gèle tout le monde, hein, tout simplement. Donc ici on a le choix entre aller par là. Il y a encore beaucoup de mecs bien énervés ici, avec une porte à 1, donc c'est chaud à passer. Éventuellement, ce qu'on pourrait se préparer à faire, c'est un petit disperse. Genre on met Aminou là. Toi on t'avance jusqu'ici. Tu te baisses, tu te mets en défense. Toi on te met là. En défense. Toi on te met ici. Prêt à hacker la porte. Mais pas tout de suite parce que là on n'a pas assez de points. En défense, toi tu viens là. En short burst, parfait. Dès que j'aurai un notif Steam que vous ne voyez pas qu'aura disparu, je mets en mode défense, voilà. Toc. Toi, tu peux te baisser et te remettre en défense, normalement t'as quand même de la vision. Tu peux peut-être protéger un peu plus que ça, voilà. Sony, pour le moment... Bon, il a pas grand chose à faire. On a des petites picousses quand même, antitoxines. En termes de toxines, là on a un 4, là on a un 8 quand même sur démonique. Vas-y, évalue en mauvais. 0, 0, 0, 1, 4 et un 4, ok, très bien. Parfait. Et bah toi tu reviens là. Et tu te mets en défense. C'est parti. Alors il reste une personne qui a des points, c'est qui? Ah oui, c'est Aminou qui est ici en train d'attendre, donc pas de problème, tu attends. Et salut Kogaran, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Je pense qu'on a pas mal éliminé ce qu'il y avait dans le coin là, on va voir. Il y a certainement des trucs bloqués derrière cette porte, mais s'ils peuvent pas remonter par là... Ah, quoique non, il y en a encore. Il y en a encore, bon c'est pas mal, lui il s'est mis là, ce qui veut dire que s'il y en a d'autres, ils vont devoir faire le grand tour. Là la porte va peut-être péter avant qu'on l'ouvre au final. On va voir. Ah bah oui, merde. Ça c'est ballot. Ici ça s'excite un peu encore. Ok, bon bah du coup on a pris un petit peu d'attaque ici mais ça va, c'est pas un gros énervé. On va reculer. L'idéal ce serait de réussir à le repousser. Parfait, encore un. Non tu veux pas. Tant pis. Parce que du coup là on peut aller avec Aminou là. Ouais, du coup ça sert à rien de disperser, donc tu vas plutôt te mettre là. Ah, il y en a un autre, ok. Du coup ça sert à quelque chose de disperser, excusez-moi. C'est un peu dommage qu'on puisse pas leur cramer la tronche par contre. Parce qu'on aurait une petite grenade incendiaire potentiellement à lancer là. Ouais, carrément. D'ici t'y arrives? Non, t'y arrives pas. Logique. Recule mon cher. Relève-toi toi. Voilà, la grenade incendiaire. Boum, 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 boum. Un petit dernier boum là. Même pas. Dommage. Du coup on va allumer ce truc là dans ses fesses. On a plus ce qu'il faut, dommage.
tirer dans le mur comme un gros sac et finir ça. Très bien. Vas-y, recule, on va envoyer un bleu. S'occuper de ça. Ok, donc du coup ici c'est nettoyé. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Là on peut avancer. Découper cet enfoiré à la hache. Passer l'angle. Ok, il y en a encore qui arrivent. Attends. Non, toi t'as plus de points. Ce serait pour toi de face. Sinon je t'envoie direct ici en full burst, ça me paraît mieux. Ici pas d'urgence, on va attendre de voir s'il y a des mecs qui réapparaissent. Sunny, tu viens là. Tu nous mets un petit pansement sur l'ami ingé là qui a souffert. Ici il y a toujours des trucs qui tapent sur la porte, mais elle tient. Donc on va progresser. De toi, est-ce que je peux t'amener ici pour que tu aies une défense correcte? Vas-y, défends toi. T'es obligé de défendre de là où t'es. Alors, pas en full, juste en short. En espérant qu'elle se fera pas tirer dans les fesses. No problem. Toi tu peux pas te mettre en défense, on est d'accord. Toi t'es un peu short en vie quand même. On va se préparer. Non c'est pas toi, c'est Sunny qui a du soin. Vas-y, va jusqu'ici. Claque lui un petit kit de soin. On s'embête pas, on a ce qu'il faut. Alors ici, on va se préparer à progresser par là. Parfait, toi. Si tu avances jusqu'ici, tu vas bloquer le chemin. T'as un peu de soin, ouais, t'as du méga soin. Understood. Y'a du monde derrière encore. Hein. Traverser toute cette foutue zone là. Understood. Allez, on avance. I'm on it. C'est quand même classe la petite caméra embarquée, j'aime beaucoup. I'm on it. Yes, sir. C'est parti, progresse. En plus avec ton chiméra. Ton chiméron, tu pourras peut-être nous... Ton primotron chiméra, c'est ça. Tu pourras peut-être voir d'autres portes ou des trucs du style. Alors, une de nos unités a encore des points. Je pense que ça doit être toi, ouais, c'est toi. Donc c'est pas très grave. Est-ce que ça vaut le coup que tu donnes des objets à quelqu'un? Non. Bon, on va commencer à les tuer un peu, ces foutus aliens, à un moment, là. Tu parles. Continue de s'acharner sur les portes et tout. Là, il y a un enfoiré qui arrive. Il avait pas assez de points d'action, ça va. Ah. Lui, il est coincé derrière les flammes, donc pour l'instant, c'est pas un danger. Oula. Là, par contre. Il y a encore du monde dans la vache, quoi. Bon, on a quand même du peuple pour s'en occuper, ça va. Forcément, on a perdu du temps en faisant le tour, donc ça aide pas, mais... Alors, j'aimerais bien que toi, avec tes munitions incendiaires,
t'occupe de ça. Je voulais faire un focus aid, mais on les a tués tous les deux, donc l'un dans l'autre, c'est pas si mal. Vas-y, regarde un peu ce qu'on voit. Ok, ici c'est fermé, il y a du cadeau. Là, il y a encore du monde. Là, il y a un... Ah non, il a pas été tué, lui, il a été repoussé, juste. Ok, on ramasse ça. Ici. On va allumer ce connard qui nous crache à la gueule. Vas-y, recharge. Toi, tu peux venir jusqu'ici. Un coup de hache. Un coup de hache. C'est déjà pas mal. Toi, tu peux venir jusque là pour allumer ce truc là. On commence à voir la zone de sortie, c'est parfait. Vas-y, recharge. On n'a pas un petit ingé là? Ah, ils sont loin. Tu viens jusqu'ici, tu pourrais faire un tir si tu viens jusqu'ici, vas-y. Ok, il est pas mort, mais il commence quand même à douiller un peu. Il y a lui aussi qu'il faut qu'on finisse. Toi, tu peux venir là. Ah, oh, il est pas mort l'enfoiré. Le petit sagouin. Il y a aussi une porte ouverte là. Bon, globalement, ça doit amener vers les mêmes endroits. Du coup, qui nous reste-t-il? Aminou, avec son quad seeker, c'est pas hyper précis. Il nous reste toi. Tu peux venir jusqu'ici. Ok, ça c'est fait. Toi, viens jusque là. Il faudrait que t'aies 12. Yes, tu viens jusqu'ici. Est-ce que tu peux verrouiller la porte? Yes. Hop là, voilà, comme ça eux, qui sont en plus des trucs qui peuvent ouvrir les portes, ils nous feront pas chier. Donc là on est bien rentré dans la zone quand même hein. On ramasse toutes les drasines qu'on peut, ça évitera que les trucs explosent s'il y a un machin qui se pointe et qui fout la merde. No problem. Ici, il faut qu'on se prépare à défendre. Reviens là, Minou. Pareil, tu te prépares à défendre. D'ailleurs, tu vas peut-être même te baisser, puis préparer à défendre. Comme ça, on va pouvoir mettre le soldat derrière. Non, pas en full burst, c'est pas possible. Voilà. Essaye de protéger jusque là, on va vous laisser le mur en renfort. Holding position. Roger that. Sunny, tu vas aller là et foutre quelques petits pansements parce que là on a pris un peu de saignement quand même. Voilà, merci. Roger that. Et enfin, les retardataires là, bougez-vous. Pareil pour toi. Yes, amène-toi. Chobiti, Chobiti numéro 2. Alors, est-ce qu'on a oublié des gens? Non, ça a l'air d'être bon. Là, on envoie une petite équipe pour s'occuper de cette zone. Et on est bon. C'est parti. Alors il y a moins que ici ça rentre. Hein. On a pas de défense. Et on a toujours pas trouvé de nid alors qu'il y a probablement un nid quelque part. Oh putain. Il y a un truc qui marche sur les gens ici.
Ok, lui il a pu faire le tour, mais ça va, pas trop de. Ok, on a 6-6 ici, il faut qu'on s'occupe de ça. Attends, et c'est qui a 2 points? C'est toi qui as 6 points. C'est parti, une petite piquouse. Ici on élimine lui. Ok, il y a du monde encore. Un scorpion là. Des trucs qui sont capables de fermer. On pourrait peut-être fermer cette porte là pour aller s'occuper de ça. Ici on peut passer, ça y est. On va aller voir ce qu'il y a là. Savoir si on fait demi-tour tout de suite. Il y a du monde. Ah, et ça. Ça va peut-être pas jusque là-bas en fait. Tu peux venir jusqu'ici. Ouais, si, ça a l'air d'y aller. Parfait. On va avancer avec d'autres du coup. Ok, il y a probablement du gros là. Hein. On va mettre un petit scan. Bon, il y a du monde. Ok, ils sont pas forcément du gros, mais il y a du monde. Couche-toi. On défend. Pareil, repasse en short, défend. Est-ce qu'on peut passer lui? Non, pour l'instant il est coincé. Understood. Ah, parfait, il aura 8 juste pile poil ce qu'il faut. Holding position. Par contre il peut pas se baisser. Ah non, faut qu'il se baisse, tant pis. Tant pis pour la défense. Affirmative. On va laisser les. Holding position. Les mecs équipés défendre. Ok, bon, on est pas trop mal là. La question maintenant c'est est-ce qu'on tente en plus un truc par ici. On pourrait plutôt essayer de nettoyer cet endroit. Hein. Ça me paraîtrait franchement pas dégueulasse comme idée. Ouais, on va faire ça. Là on l'allume. On va rester comme ça ici. Je déverrouille ça. Affirmative. On va envoyer le tank. Commencer le nettoyage. Ouh, il y a trop de monde là. Il doit y avoir un nid, c'est pas possible. Oh putain, oui. Ok. C'est refermé là. On a probablement du loot. Yes, sir. Est-ce que tu vois, c'est ce que tu peux déverrouiller, enverrouiller cette porte là-bas? Peut-être, mais il va falloir qu'on gère autrement avant. Est-ce qu'on a des grenades à dispo? Toi, t'as une grenade. Est-ce qu'on a mieux que toi qui a des grenades? Non. Yes, sir. Bon, alors déjà, la priorité, ça va être de s'occuper de ça. Très clairement. Ah, ça les tue pas, putain. Roger that. Target hit. Recharge. Attack. Faites-moi des fesses, s'il te plaît. Engaging enemy. Tango down. Ok, c'est propre. Ça, ça va péter, attention. Là. Okey-dokey. On découpe. Kill confirmed. On a plus de points. Sérieux, le minigun à bout portant ça suffit pas quoi. Vas-y pousse-toi. Gotcha. Défonce ça. Parfait. Ensuite, il nous reste un truc là-bas. Il nous reste prof, il nous reste toi. Viens donc par là. Ça du coup ça brûle plus, mais par contre l'autre il est toujours relou là, donc tant pis, on va devoir l'accueillir comme ça en défense.
Qui d'autre? Toi tu peux rien faire. Toi est-ce que tu peux avancer d'une case? Verrouiller ça, parfait. Ok, donc s'il y a un nid là-bas déjà, on n'en entendra plus parler avant un petit moment. Roger that. Ici. On recharge, on défend. Voilà, il faut qu'on se défarasse de lui. Ça c'est les petits... les petits piou-piou. Holding position. Yes, sir. Toi tu vas plutôt te mettre là pour défendre. Ah tu le vois toi. Ah tu le vois plus. On peut mettre Hibou Medic derrière, yes, pour défendre. Parfait. Holding position. Donc, normalement si jamais il essaye d'avancer ça devrait le faire. Ici, on progresse un peu. Ok. Vous, c'était déjà joué. Très bien. Il reste plus personne derrière. On est d'accord. Toi, je t'ai pas remis en défense. Remets-toi en défense. On est bien. 4, 3, 2. Toi, t'as 6 encore. La recharge, ce sera fait. Toi, t'as 5. Pour le moment. Ça te sert à rien d'autre. On est parti. Et les eux, ils font rien, ils font leur vie derrière. Ouh, il y a encore des trucs qui bougent là. Engaging enemy. Ils vont viser nos. Quoi? Il y a un truc ici. Ils vont viser nos zones avec avec les petits worms. Ah putain, tire pas dans les fesses de ton pote. Chobiti, voyons. Ah du coup il n'y a plus de zone de défense. C'est pas très grave parce que on a fait le tour. Bon bah j'ai pris des petites balles dans les fesses ici. Attack. Pour la peine, finis-le, voilà. Attack. Ok, on claque un scan. Ah, il y a un ennemi dans la zone de sortie, il y a un alien quoi. Très bien, du coup faut qu'on aille chercher ça. Yes, sir. Vas-y, prends-le. Searching. I can't do that. Ah merde, ton inventaire est plein, putain. Toi, va le prendre. Searching. Sérieux. Roger that. Donc là, il y a encore du gros monstre, ils sont coincés derrière la porte, on va pas aller chercher. Est-ce qu'on peut pas en profiter pour regrouper un peu nos objets? Toi tu peux donner ça là. Toi t'as un cadeau comme ça. Toi t'as du Property Data mais c'est déjà 2 sur 3. Ok, toi tu vas aller jusque là-haut. Copy that. Ouvre cette porte, qu'est-ce qu'on a derrière? Plein de loot. Parfait. Alors, quelqu'un qui a tous ses points et un peu de place dans son inventaire. Toi. Understood. Damned, va donc nous ouvrir ses coffres. Qu'est-ce qu'on Searching. A de beau? Ok, ok, pour l'instant pas très Searching. Utile. Des bottes, pareil, ça nous sert pas à grand chose. Il va falloir du coup pull ça. Ça encore un coup après. Ah merde, putain, je me suis gouré. C'est toi. Affirmative. Voilà, on a fait de la place. Une fois que les gens seront poussés, toi tu peux venir jusqu'ici. Tu t'occuperas de looter au prochain tour. On peut quand même voir ce qu'il y a normalement. Maquis de la munition, un petit canard. Searching. Deux canards, ça va nous faire des bonus, donc on les prendra. Maintenant il y a plein de cadeaux à ramasser. Roger that. Searching. Cadeau. Searching. Cadeau. Searching. Et cadeau. Ça c'est une toute petite zone avec deux gros méchants dedans. Tu peux aller jusque là-bas, tu ramasseras le dernier cadeau. Ok, très bien. Alors maintenant sur ce côté-là. On se relève, on va envoyer lui du coup.
Ah non, il y a plein de saloperies qui vont. On va devoir faire des. Des peace signs. Là, si on saute là, c'est 14. Enemy down. Ok, une petite saloperie. Rien d'insurmontable. Surtout de dos. Fire! Too easy. Ça a l'air plutôt clean. Par contre. A chaque fois on a deux trucs de... Aminou, je crois que toi tu peux sauter de deux cases. Hein. Ouais. Bon bah c'est toi qui t'y colle. Tu vas chercher les cadeaux. Ah, il y a un ennemi. Pas cool. Vas-y, prépare-toi. Pas de préparer. Yes, holding position. Est-ce qu'on se met en mêlée? On peut se mettre en défense? Non. Il prend son truc dans la main là. J'aurais pas dû reload. J'ai plus assez de punch. Mais bon, après ce machin là est pas trop énervé normalement. Holding position. Du coup, là on est mal placé, mais tant pis, on va défendre avec lui. Ici du coup. Il faut qu'on se prépare à s'occuper de ça là-haut. No problem. Donc on va le faire. Claque-toi un petit truc de soin toi. Recharge, défense. Non, pas en full burst. Non, putain, pas là. Hop, la défense. Ici pareil, les deux médecins qui tiennent la ligne pendant que le reste de l'équipe loot. Un grand classique. Yes, sir. On se prépare, hein. Tac, toi tu viens là. D'ailleurs, c'est probablement toi qui iras ouvrir, donc prépare-toi. Prof, tu te prépares parce que tu vas déverrouiller la porte, enfin hacker la porte. Et peut-être la rehacker direct dans la foulée, on verra. Understood. Ici, on va se préparer aussi à copy that. Faire des trucs, buter la saloperie qui est à l'intérieur, potentiellement. Ok. Holding position. Toi, il te reste 9 points, tu peux rien en faire. Là on est bon, là il reste 7 points, tu peux rien en faire, 6 points, tu peux rien en faire, c'est parti. Là ça va être quand même un truc assez gros pour péter les portes comme ça. Hein. Attack. Ah oui, il a réussi à arriver assez près, l'enfoiré. Du coup, avec ça, ouais, t'es trop proche malheureusement. Tu fasses de la place pour tes potes. Donc vas-y, on va s'occuper de lui. À l'ancienne. Engaging enemy. Too easy. Fire. Tango down. Faire vraiment beaucoup de tirs avec un fusil d'assaut bien équipé. Est-ce que t'as assez de portée si je te mets là? Si toi tu te pousses. Ah non, tu vois pas assez loin malheureusement. C'est un peu trop. Engaging enemy. Ah ouais, c'est efficace contre des multiples ennemis, mais à part ça, c'est quand même pas simple quoi.
Ah, y a pas moyen, je peux pas sauter en diagonale, que dalle quoi. Ah mais toi, tu peux sauter de deux cases, vas-y. Rejoins ton copain même si ça va pas servir pour le moment. Et prof. On est d'accord qu'on oui, on a passé le tour donc on est plein. Tu déverrouilles cette porte. Et tu vas aller tout là-bas, tu déverrouilleras cette porte là pour les deux qui n'ont pas et qui n'aient pas à refaire tout le tour. On est d'accord. Ouais, toi t'es niqué. Donc demi-tour. Understood. Faut faire le tour. Comme quoi c'est pratique hein, de pouvoir sauter deux cases dans les couloirs. Yes, sir. Donc ici c'est ouvert. Voyons voir ce qui nous attend. Un cul-de-sac. Ah, il est venu ici le Reaper, on l'avait enfermé là. Rien à looter, on se tire. Hop. Par contre, lui il peut ouvrir les portes, donc il faut qu'on la reverrouille derrière. Voilà, et du coup, bah, on a plus qu'à se préparer. Yes, sir. Pour ici plutôt. On va se coucher, parce que c'est pas lui qui fera les dégâts de toute façon. Yes, sir. Merde, relève-toi. Roger that. Tu me diras ça sert pas à grand chose, tu vas pas ouvrir de toute façon pour le moment. On met les yes, deux médics derrière. Holding position. Copy that. Hop. Holding position. Toi, mon cheil, tu ramasses ça. Holding position. Toi t'es prêt à aller nous ouvrir cette porte là, on va devoir encaisser cette attaque, tant pis. Dommage mais bon. Roger that. Et là on se prépare à l'évacuation. Et ici on a du loot. Alors qu'est-ce qu'on Searching. A dit un canard. Searching. Un autre canard. Là on n'avait rien d'intéressant du coup, parce que tout ça on le perd à la fin. Hein. Searching. Là pareil. Donc c'est parti, on repart. Out of ammo, holding position. Ah t'as plus de munitions dans ton inventaire toi. Ah oui. On a cramé toutes les munitions incendiaires, yes, en même temps, elles nous ont bien aidé hein. Holding position. Roger that. Demi-tour. T'as ramassé les canards, tu peux partir. Holding position. Il prend de l'acide et du poison mais c'est pas assez. Aïe. Ah putain Minou. C'est pas le moment de mourir hein, Minou. Déconne pas. 15 stacks de poison. Ouf, ça pique. On va devoir envoyer quelqu'un le soigner là. Probablement hypomédic. Ouais. Alors ici. On ouvre ça, on voit ce que nous attend. Une petite merde. Gotcha. Qui est en plein sur la zone des vagues, donc il va nous bloquer une zone des vagues. Yes, sir. Hop. Roger that. On commence à sortir. I'm on it. Voilà. I'm on it. On va extraire les scientifiques avec leur data. En espérant que ça compte hein, s'ils les ont, parce que sinon c'est un peu dommage. Hibou Medic. Alors pour l'instant tu vas attendre. Toi, tu nous ouvres ça ici du coup. Searching. On ramasse le cadeau. Vas-y, Roger toi that. Tu viens là. Gotcha. On bute ce con. Roger that. Tu viens là, t'ouvres la porte. Aminou, tu viens Understood. Ici. Tu ramasses le cadeau et ensuite tu vas le plus loin possible et on va voir si on peut pas te soigner au passage. Understood. Voilà, parfait. Ici, alors non, je vais faire de la place. Yes, sir. Hop, on s'extracte. Understood. On s'extracte. Donc là, on a extrait 50% des unités. Copy that. Ce qui est une réussite pour le moment. Understood.
ça, un soin. Demi-tour. Roger that. Toi, demi-tour aussi. Toi, tu cours. Understood. Et encore les autres là qui sont à l'autre bout du monde. Pareil, 34, ça va se faire en deux tours, c'est parfait. Le mur. Understood. Tu t'extractes également. Et c'est parti. Ici, ils vont s'exciter, mais c'est pas demain qu'ils vont passer, y'a pas de soucis. Pas la peine d'utiliser des munitions pour ça. Toi, t'as 8 stacks sur ta tronche quand même. Bah, mets-toi une petite picouse. No problem. Roger that. Allez. Yes, sir. On y est presque. Bon, après, il faut encore qu'on traverse une zone potentiellement à découverte vers le point d'extraction aérien. Donc, c'est même pas dit que. No problem. Alors, si c'est dit qu'on s'en sorte, je pense qu'on va s'en sortir, mais. On a encore quelques trucs à faire, quoi. Yes, sir. Là, c'est pareil, t'as 8 stacks et ta vie commence à baisser. Il va falloir qu'on te les enlève. Normalement, c'est bon. Parfait. Mission successful. On a récupéré 8 trucs spéciaux. On commence mine de rien à avoir des trucs. Bon, on a fait, on a tiré dans les fesses de notre pote encore une fois. Et c'est encore Chobiti, je crois. Ouais. Non, non, c'est Chobiti, mais c'est pas le même Chobiti. Très bien, c'est la Chobiti de l'autre équipe. Ça va. Un hit, ça fait moins 3. Fire damage, ça fait 1. 27 de bonus pour le moment. Ok, on va passer à la suite du coup. Voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Ok, on arrive dans un bâtiment. Chihuahua Yankee Nu. Ok, les mauvaises nouvelles d'abord. Les aliens commencent à être habitués à nos tactiques. Et ils ont deviné notre route d'extraction. Ils sont déjà en train de se regrouper autour de votre position et encore plus sont en train d'arriver. On a environ 15 minutes jusqu'à ce que les plus méchants apparaissent. À ce moment-là, ce sera plus possible d'atterrir de manière safe et on devra vous laisser mourir, désolé. La bonne nouvelle alors ? Eh ben, un navire d'évacuation est en route alors qu'on est en train de parler. Vous avez juste besoin d'aller jusqu'à la position marquée, pas d'action héroïque. Bonne chance, on se voit bientôt. T'as 15 minutes pour pas mourir. Alors, 20 tours du coup, là on est bien timé là. Par contre on voit toute la zone. Intéressant. Non, on voit... je pense qu'il y a des aliens là. Ça me paraît très bizarre qu'il n'y ait pas d'aliens. Mais on voit les cadeaux un peu partout. Cadeaux, partout. La zone n'est pas très grande. Il va falloir aller partout pour les cadeaux. Ouais, il va falloir aller partout pour les cadeaux. Alors déjà il y en a un là qui est un peu chiant. Est-ce qu'on peut... comment on peut y aller là? Ouais, on peut pas y aller, on est d'accord, on peut pas passer par là, ça sera trop facile. Ok. Donc là on a nos mecs, ah mais eux ils peuvent sortir, ok, ou alors se faire éventuellement flanquer. Très bien. Il n'y a pas beaucoup de cadeaux à l'intérieur en vrai, hein. Voire même pas du tout. Là il y a une console, il y a des portes fermées quelque part. Non, j'ai pas l'impression. C'est juste de la déco. Ok, alors ça m'étonnerait qu'il y ait que ces quelques aliens là, mais peut-être qu'ils vont continuer d'arriver au fur et à mesure, un truc du genre. Bon, le problème c'est l'huile. C'était toi qui avais des stacks? Non, c'était toi qui avais des stacks. Vas-y, enlève-lui un peu de stacks. Donc il va falloir qu'on se baisse et qu'on allume. Ok, ça c'est fait. Relève-toi.
se mettre en battering. Okidoki. Attack. Voilà, ça c'est fait. Yes, sir. Toi tu vas venir ici. Tango down. Et lui c'est fait. Ok, pour l'instant on voit vraiment personne d'autre. Hein. Quel est un scan? Ah oui, non, voilà. On en voit... Oh putain, il y en a plein dans le dos des scientifiques là. Il va falloir qu'on... il va falloir qu'on fasse le tour. Ok, là on a un alpha. Il y a un gros rouge qui surveille le cadeau en haut. Holding position. Et là il y a plein de rouges aussi. Ils vont essayer de se faufiler par ici, donc il va falloir qu'on extrait nos amis là. Alors. File ça à lui. Yes, sir. 20 tours c'est beaucoup, hein. On a quand même le temps de faire des trucs. Understood. Holding position. Ah, défense à toi. Copy that. Toi, tu peux pas. Ah non, ton inventaire est plein. Tu peux push ce truc comme ça. Tu t'accroupis. Tu reload et tu défends. Roger that. Et toi, mon gars, tu vas reprendre ton petit lance-flamme et te préparer à faire des trucs. Alors ici, on a prof, mais prof là, y a rien qui peut pouvoir hacker de toute façon. Affirmative. On va se contenter de les mettre derrière. C'est Sunny qui est le soigneur, ouais. Understood. Sunny Understood. Va faire un petit arrêt-vie ici, voilà. Holding position. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Des petites merdes. Ah, il y a une saloperie explosive, ça c'est plus chiant par contre. Et un truc comme ça, très bien. Recule d'une case, on va envoyer toi. En battering, tant qu'à faire. Engaging enemy. Voilà. Ensuite ici. Okidoki. Voilà. I can't do that. Donc là on a dit il y a un gros, hein. Si je veux pouvoir l'allumer, il faudrait que j'aille jusqu'ici, mais c'est trop près ça. Là du coup. Attack. Ok, c'est fait déjà. Il faudrait qu'on envoie quelqu'un. Est-ce qu'on peut le voir? Non, il faudrait qu'on envoie toi. Yes, sir. Dans ses fesses en full burst, ce serait parfait. Est-ce que tu vois quelque chose? Oh putain, c'est un shadow envoyé. Sale bête. J'en connais un qui va manger. Understood. Donc toi de toute façon t'as plus de quoi te mettre comme il faut. Il nous reste un minou qui va pas non plus être d'une défense exceptionnelle. On va juste te mettre devant pour que ça soit pas toi qui prenne. Holding position. Toi, t'as une armure. Donc tu vas te mettre devant aussi, couché. Hop, alors pas en full burst. Holding position. Voilà, Aminu, tu te mets en seeker bolt. I'm on it. Et tu viens jusqu'ici et on va tanker Holding comme position. On peut tanker, hein, à l'ancienne. Yes, sir. Ok. Ici on a fait tout ce qu'on pouvait. Eux, ils peuvent pas faire grand chose de toute façon. Toi tu peux couvrir par là, pourquoi pas. Allez, c'est parti pour l'extraction. Ok, un petit verre qui se régénère. C'est pas le plus chiant, mais il les envoie en éclaireur pour cramer les zones de surveillance. Hein. L'IA est pas totalement débile. Ah, elle est ici, la porte potentiellement à fermer. Ok. Il y a
un cadeau. Attack. Target hit. Non, il est capable de nous tirer dessus à distance, lui. Ah, l'enfoiré qui arrive dans notre dos. Engaging enemy. Ça sert avec de l'armure, très bien. On a encore du rap de heal, ça devrait aller, ça bouge un peu en haut. Quand il me disait oui, il faudra un peu de temps avant que les gros arrivent, je me disais bon, on aura peut-être pas de Shadow Envoy, ça ira. Mais que dalle, ouais. Putain, vache. Oh! Y'a un truc! Le truc qui nous snipe à cette distance-là, sérieux? Ouais, il nous crame nos zones de surveillance. C'est pas cool. Lui, il a toujours pas bougé, hein. Ok, un autre qui approche là. Il est rouge. Il est rouge. Il explose, dis. Non, il explose pas celui-là. Ça, c'est un qui tape tout simplement. Il s'est mis au contact de notre mec à la hache, donc on va s'en occuper. Ça y est, il bouge. Plus grand chose pour le taper, un petit peu quand même. Surtout il va voir, voilà. Ça va, il a eu qu'un point d'action, c'est pas si pire. On va pouvoir le full burst. Bon. Préparons-nous. Allez, vengeance. T'as plus de munitions. Ouh, le 600 de dégâts qui fait bien plaisir là. Bien wesh. Alors derrière nous, qu'est-ce qui nous allume ce truc là? Ok, ça c'est fait. Toi tu vas avoir le droit de mettre bah, pas grand chose parce qu'on a pas beaucoup de soins dans cette équipe en fait. Combien de stacks 6? On va te mettre un truc comme ça, un truc comme ça, faute de mieux. Attends, il y a du monde. Affirmative. Understood. Engaging enemy. Ok, c'est fait déjà. Toi, tu peux pas vraiment, si tu peux aller dans ce dos là. Oh, il y a un alpha ici, putain. De face en plus. Ok, toi, relève-toi. Viens ici, tu pourras mettre deux tirs. Alors, pas en full, en short. Target hit. Attack. Voilà, c'est toujours ça de pris. Voilà. La différence entre le full et le short, hein. Bah le short il tire plus loin, c'est une rafale courte. Il est plus précis, et le short c'est à courte distance, tu vis d'un demi-chargeur dans l'ennemi quoi. Non, on est trop loin. 58% c'est pas ouf. Ouais. C'est clairement pas ouf. Ok, il me reste encore quelques munitions inflammables, c'est la bonne nouvelle. On a pu lui foutre le feu. Bon, on va pouvoir finir celui-là déjà, ça fera un petit peu de DPS en moins. Engaging enemy. Voilà. Jusqu'ici ça sert à rien. Toi, si tu vas jusqu'ici tu peux faire un full burst, vas-y. Il y a des petits verres à la con. Merde, dommage. On avait une bonne chance de le tuer mais c'est raté. Pousse-toi toi. En droite, on peut avancer. Attack. Bon, on lui a fait mal, pas assez malheureusement.
jusqu'ici. Non, t'as pas de quoi te mettre en défense. Tu vas quand même te foutre devant pour encaisser. T'es quand même un peu plus tanky, un peu plus d'armure. Ici, du coup, toi. Target hit. Target hit. Putain, il est encore solide l'enfoiré. Enemy down. Ok, on va claquer un scan pour voir un peu les PV quand même. Il y en a un là, ah oui c'est vrai, il y a un scorpion ici. Toi t'as 256 PV, 475. Toi on te voit pas, je te voyais pas donc j'ai pas pu savoir. Est-ce que j'aurais pas intérêt à sortir moi aussi ici, en vrai? Il y a des cadeaux là, donc j'aurais intérêt à sortir par là, les récupérer. Je rappelle hein, que l'objectif est toujours de chercher les cadeaux, hein. ça ne change pas. Ok, toi, tu avances d'une case. Tu m'allumes ce con. Fire. Tu peux aller jusqu'ici, non pas trop. Et toi là. Ouais, là on est. Je me suis mis le gros truc devant et du coup ça m'a coincé. C'est dommage. Target hit. Je suis resté accroupi, ça m'a coûté quelques points malheureusement, mais bon, ça devrait suffire déjà à l'éliminer. Lui il est mort, 31, moins 35. Et c'est une armure qu'il a, pas de la régénération, donc c'est bon. Par contre l'autre derrière il est pas mort, et l'autre derrière encore moins. Et lui il pourrait décider de venir faire chier. Hein. Et c'est un explosif en plus. J'ai bien envie d'envoyer lui en soutien là-bas. Caler un peu de soin. Est-ce que si je me mets là, je le vois? Ouais, non, je le vois pas. Roger that. Attack. Voilà. Ok, c'est pas si mal. Ça m'embête un peu d'avoir dû aller jusqu'ici, mais bon, tant pis, on fait avec ce qu'on a. Toi mon cher, tu vas aller jusqu'ici. Tu vas nous cramer ces cons. Voilà. Encore un coup. Merci. C'est parfait. Accroupis-toi. On va envoyer toi derrière. Ah, j'aurais pu m'arrêter là. Ouais, si, mets-toi ici. Non, mais non. Putain, le misclic. Hop là. Si tu reload, tu passes à 10, vas-y. Reload, défense. Reload, défense. Non, t'es en full burst. Défense en short burst, s'il te plaît. Ok. Il nous reste lui. Tu peux aller jusque là. Et les petits pew là. Affirmative. Ramasse ça, ça peut toujours servir. Avance d'une case. Vas-y, protège avec ton petit pistolèche. Ok, bon, ici on va probablement manger un peu. Surtout que lui, je crois qu'il fait des attaques de zone. Ouais. Large poison blob that damage larger area. Bah tant pis, c'est comme ça. On est parti. Il meurt pas hein, du saignement et du feu malheureusement. Target hit. Gotcha. C'est bon, c'est fait. Bon, c'est sûr que s'il n'y avait pas les ventes de Noël, on se serait pas fait chier à faire le tour. On aurait peut-être jeté un œil là pour voir ce qu'il y avait, pour menacer les gens, mais... Ok, là il se faufile lui.
Il veut taper sur le médic. Bah écoute, si tu veux. Ils ont fait le taf avec leur petit flingue. Enfin, ils ont fait le taf. Ils n'ont pas fait beaucoup de dégâts, mais ça a quand même spoté l'ennemi. Celui-là, avec sa grosse armure, on va avoir du mal à passer. Ça va, on lui fait quand même mal. Ah, par contre, ils en veulent à Médic. Oh. Oh putain, saloperie. Saloperie quoi. Ok, visiblement la cible c'est Hibou Médic. Il n'y a pas trop de trucs. Putain, moins 20 de stack on a là. Waouh. La violence. Hein. Il nous coûte cher cet enfoiré. Et toi, il te reste des petites picousses. Parfait. Donc là, on a quoi? 18, 20. Ok, c'est bon. Okidoki. Ce qui est bien, c'est qu'il a fait mal à ses propres copains. Ok, on peut aller jusqu'ici. Lui mettre un petit chop. Voilà. Alors, qui ramasse le cadeau? Toi, t'es dessus. Vas-y, ramasse. Après, tu viens ici. Je termine cet enfoiré. Merci. Vous allez progresser par là après. Alors, on va déjà avancer avec toi. Yes, sir. Toi, t'as pas de stack, c'est bon. Et là, on a de quoi faire des petits pansements. Affirmative. On va en caler un peu. Hop, voilà. I'm on it. Vas-y, avance là. Là, tu peux mettre un petit soin sur lui parce qu'il a un peu souffert, le pauvre. Défense, pas en full burst, en short. Toi, c'est qu'il faut pour reload. Understood. Vas-y, pareil, défense. Roger that. Ah mince. Ok, viens là. C'est pas grave. Reload défense, et toi, tu vas te mettre ici. Tu vas défendre derrière, au cas où. Maintenant ici, il faut se débarrasser de tous ces enfoirés. 62 c'est pas beaucoup, on va se détendre. Il y a un mec à tuer ici. Là on est au lance-flamme, c'est pas optimal. On a plus de soins ici non plus, ça devient compliqué. Too easy. Target hit. Plus de munitions. Fire. Toi. Fire. Je me suis là. Voilà, parfait. Il reste la petite merde ici. On lui mettra un coup de hache en passant. Il faut progresser. Alors, il faut progresser par où? On a dit que l'idéal ce serait de sortir par là. Roger that. On va aller jeter un œil par ici. Ouf. Coucou. Ok. Est-ce qu'on a des trucs pour mettre le feu? On a plus de grenades là, sérieusement? Toi t'en as? Non, ah merde. On a plus ce qu'il faut. On a des grenades cryo qui vont pas nous aider trop dans le contexte. I'm on it. Là on peut aller jusqu'à lui, lui mettre un full burst, comme ça ce sera fait. Ah merde, il y en a deux, putain. Gotcha. Lui. I can't do that. Ok, 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 ça se complique. Tu peux aller ici. Tu déploies une mine. Tu
Si t'avances d'une case encore, ouais, tu déploies une mine. Ah, tu peux pas la déployer sur un ennemi. Ouais, non, c'est pas illogique en même temps. Tu déploies ta mine là. Yes, sir. Après, on se replie. Ici. No problem. Ouais, ça va être compliqué. Toi, tu peux aller genre là. C'est quoi ce petit machin? Une trash can, ok. Et du coup, tu mets en défense. Le premier qui passe là-dedans, il fait tout péter normalement. Toi, t'avances, tu mets un petit coup de hache ici, comme prévu. Voilà. Copy that. Prof, ok, l'ingé. Il n'y a pas beaucoup de mouvement non plus. On va le mettre ici en défense. Des fois qu'un truc rentre. Ah merde, arrête-toi. Ok, c'est parce que t'es en. Ah putain. C'est parce qu'il était en. Accroupi qu'il avait pas de mouvement. Fuc. Fuc, fuc, fuc. Holding position. Bon, ça va pas être simple, hein. Il va falloir les mériter ces cadeaux. Ok, ça fait le taf quand même. Parfait. Entre l'explosion d'acide, l'explosion de la mine, c'est bon. Bon, par contre, du coup, on peut plus sortir par là. Et salut Zikino, bienvenue sur le live. J'ai révélé toute la carte. Non, c'est cette map là, c'est la carte d'extraction. Du coup on a eu une reconnaissance aérienne parce que le truc est en train d'aller vers nous. Le truc d'extraction est en train d'aller vers nous. Mais par contre on voit pas les ennemis. On a que la carte qui est révélée. Tu peux le voir, hein, ils savent très bien toujours se pointer dans les couloirs. Engaging enemy. Sale bête. Ah putain, ils sont deux. Target hit. Ah, ça calme hein, le minigun enflammé hein. Donc ce qui est bien c'est qu'on sait d'avance où sont les cadeaux. Par contre c'est clair que si c'était pas les ventes de Noël, on se serait pas fait chier autant que ça hein. Oula, il y a eu un... Là, il y a un alien de Noël là-bas. Là. On n'en a pas beaucoup vu dans cette mission pour le moment. Du coup, on va arrêter l'épisode de VOD là. Ah oui, il y a plein d'aliens de Noël là. On voit les zones comme ça, le bleu là. J'espère que ça vous a plu. Bah, du coup, Zikino, tu arrives pile à temps pour dire au revoir à la VOD si tu veux. On vient bien sûr continuer la mission après. Je bois un petit coup. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.